وهذا المونتاج لو ماجستير من فيسبوك يخرج الاخر الفيديو يخرج الفوليوم نتاعو صغير كي يخرج صغير نقدر نحطو خاصيمون في الاخر في اليوتيوب خير من التسجيل اوكي نسيبو هكذا نمشي من بعد انتيا ساعة في الفوق الوقت ورا زيد انت يا بدل qui s'appelle les autopétrines, le training, tu te rappelles de... Ok. D'accord. Je pense que tu m'as dit que je n'ai réussi à l'amener dans ma terre, non? Non, le JL1. Tu es à 3e année. Oui, madame ma terre, parce que je parle du JL1. On m'a dit qu'on a dit le fait des autopétrines. Ok, donc... Ça veut dire que l'espace d'entrée ici, c'est bon, tu peux pas voir. Et puis, là.
est supérieur ou égal à quoi? Au poids de l'acte. Au poids, on a le W, ou le weight, de l'acte qui démarre de cette place vers la transition et vers la courbe. Ok? Qui démarre de T vers T. Ouais. Ok? Alors, je m'en ai dit que la transition est franchissable. Mais elle, le cas de la courbe, elle a été exemple, elle a aucune transition franchissable. D'accord? Maintenant, aucune transition franchissable dans ce cas. Et alors, la transition T1, je prends un mécanisme. La transition T2, je prends un mécanisme. Ou la transition T3, je prends un mécanisme. Ok, pas de transition franchissable. Quand on a une transition franchissable, ça veut dire qu'il n'y a pas de dynamique dans le modèle, il n'y a pas de comportement, il n'y a pas des actions qu'on peut exécuter, qu'il n'y a pas de transition sensibilisée, qu'il n'y a pas de transition. C'est là. Et dans ce cas, il n'y a pas de transition vivante. Déjà, le système, il y a un blocage. Et là, c'est un blocage infini. Le système ici, il y a un blocage infini, c'est un blocage comportemental. Ce n'est pas un blocage structurel, c'est un blocage. Moi, je m'en ai un blocage comportemental. Je m'en ai un blocage des jetons. Peut-être que ça va démarrer. Mais la structure, elle est réactive. Mais la déchette structurelle. La structure, ça veut dire de raison. Dans ce cas, il n'y a pas de vivacité. On ne parle pas de vivacité parce que déjà le modèle n'est pas marqué. Le meilleur modèle est marqué. Ça veut dire que si le démarque, si le déjeuner est en place, ça permet de mettre la dynamique, le comportement, les transitions qui sont sensibilisées, les transitions compréhensibles. Autant de la question directe et bien sûr, les interprètes liées à la condition de vivacité. Ok, maintenant, supposons que le modèle il est vivant, plutôt que le modèle n'est pas, soi-disant, dit qu'il n'est pas mort, qu'il n'y a pas bloqué, plutôt qu'il n'est pas bloqué, ça veut dire qu'il y a des marques. Et on va mettre par exemple une marque ici. D'accord? Vous voyez d'abord les acteurs d'un, une marque ici, c'est un M0, bouche P, T, la place P. Ah, premier. Dans ce cas, je peux tirer une transition. Donc, dans ce cas, la transition T1 est sensibilisée. Elle est franchissable. Je peux la franchir. Et lorsque je franchis la transition T1, j'obtiens un marquage M1. Voilà. Et voilà. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir P2 plus P3 plus P4. Ok? Celui-là. Alors, tu regardes.
essentiel, cette séquence elle n'est pas infinie. Ça veut dire que cette séquence elle est finie après qu'on a voté à la transition en question. Dans ce cas, t vivante, ça veut dire quoi? Pour tout marquage, quel que soit le marquage R, accessible à partir de M0. Tous les marquages, quel que soit R, accessible à partir de R ou bien à partir de M0. Retrieval from M0. Quel que soit le marquage R, où je peux le dire au R. Mais il y a une de la transition qui n'a pas de l'intérêt au premier marquage. Et d'ailleurs, on a tiré de manière directe le marquage, c'est encore mieux. La transition est vivante et encore elle est fireable, elle est tirable de n'importe quel marquage. C'est un genre d'action que je peux toujours l'exécuter, de n'importe quel point. Non, moi je peux avoir un marquage, passer. On est là où on est là. Si, on tiré au moins, après une certaine séquence S, telle que quoi, la vague. Dans la séquence S, il est supérieur ou égal à 0, et bien sûr, il doit être inférieur à l'infini. Je m'en ai dit, peut-être que je peux tirer la transition T après une transition, après deux transitions, après quatre transitions, après cinq transitions, ainsi de suite. D'accord? M'en ai dit. Supposons que l'on a un indice N, un indice N, ou si un indice N avec état d'accueil, etc. C'est pour cette raison que le réseau n'est pas vivant, bien sûr, il n'est pas vivant, et en plus les transitions ne sont pas vivantes. Supposons que l'on a un indice N, et on commence à se poser la question, alors est-ce que la transition divine elle est vivante? Ben oui, pour le moment, jusqu'à maintenant, elle est vivante, n'est-ce pas? Voilà, parce que je peux l'atterrir ici. Peut-être qu'elle est vivante. C'est nada. Est-ce que la transition T2 est vivante? Oui, peut-être qu'elle est vivante. Voilà. Les N de la transition T2. N'a pas d'intérêt à M1. Voilà. Ok. Donc elle est vivante. Est-ce que je peux tirer T2 de M0? De manière indirecte, oui. Elle crée une séquence S. Elle y a fait une seule transition T1. Au bas, elle tire la transition T1. Derrière la transition T2. Et donc T2. Pour moi, elle est vivante jusqu'à maintenant. Hein? Anakuna Mazel, pour T3, oui, peut-être qu'elle est vivante. T3 ici, oui, elle est vivante. T1, Akmutchouf, T1. Maintenant, je dirais de manière directe, mais Akmutchouf, mais lesquelles sont les séquences? Ah oui, T3, on va être en train de dire T1. Ok? T2, maintenant, je dirais avec une directe, mais quelles sont les séquences? On va être en train de T2. Vous voyez qu'il y a des séquences, on va être en train de T2. Mais moi, je suis là, il y a un modèle de T1, voilà, je vous le voulais. لأنه كاين ان ماركاج ديب اند عروي هذا الماركاج اللي عروي هذا الماركاج اللي هو لابلاس بي 3 تعود فيها ان جودون هذا الماركاج ما يسمحلناش باش نديريو حتى ترونزيسيون واش معناتها اسكو دون بي 3 جو بو ديري تي اون دو مانيير ديريكت ولا دو مانيير انديريكت نو دونك لا ترونزيسيون تي اون ني با بيرون تي دو ني با بيرون تي 3 ني با بيرون اوكي سي سا لو بروبليم On va faire un autre. Je vais essayer de faire une petite modification. Une petite modification. Non. Ou là, on va mettre la modification. C'est donc comme le deuxième cas. T, maintenant, pour qu'elle soit vivante, elle est à la condition. Bon. Et question. Est-ce que vous pouvez regarder dans un modèle qu'il y a une indite 1 pour savoir qu'il y a une indite transition vivante?
c'est tellement pour l'exemple. Chef de tuer, la transition 1, la transition 2, la transition 3. Place 1, place 2, place 3. Et bien, dans ce marquage, plutôt, avec ce marquage-là, qu'est-ce que je peux avoir? J'ai une alarme au théâtre. Où je n'ai pas de gaffe? Je n'ai pas de gaffe, mais il y a un P1. Même P1, je peux tirer T3, ou bien je peux tirer T3. Si je tire T3, je suis en train de dire P2. Voilà, c'est un dit-end. Je vais le nommer dit-end. Voilà, je peux tirer ça. Je peux tirer ça, et donc je vais le voir, et c'est un P3. Lorsque j'aurai un P3, je vais le dire, je peux tirer T2. Pour avoir une deuxième fois, un P3. On n'a pas de fois. Qu'est-ce que je remarque ici? Le réseau est en blocage. Non, mais le réseau contient un blocage. Le réseau est en blocage. En blocage. Round 3. Non, le réseau il contient un blocage. D'accord. Pardon, parce que nous avons parlé de France. C'est-à-dire que le réseau est en blocage. Je connais le réseau il est en blocage. Ça veut dire que je contient un blocage. Non, pas il est en blocage, il est bloqué. Il est bloqué avec l'autre. بينما هنا وش نقول احنا هنا نقول بلي لو ريزو كونتيان ان بلوكاج سي با لا ميم شوز كونتيان ان بلوكاج سا فدي كي لي سيكس كي لي ان شيما بلوك ما هوش لو ريزو اي لي اون بلوكاج يعني انا غير نعبر على سا فدي لو ريزو اي لي اون بلوكاج سا فدي كو تو لي شيما ميم بلوكاج جميع الطرق تؤدي الى البلوكاج. Le réseau contient un blocage, ça veut dire qu'il contient un blocage. Mais peut-être qu'il contient un autre chemin de vivre facile, soi-disant. Là où il y a de la diversité, là où il y a des transitions plus de vie. Ah, oui. Donc, quand j'ai oublié, on a de la lettre, on va parler de ce même thème. Tout d'abord, on va se poser la question de la transition. Est-ce que la transition des droits est vivante? Prochaine chose, on a déjà le marquage, on a le marquage 0. وعندي لو ماركاج 1 وعندي لو ماركاج 2 وعندي 3 ماركاج داكور نرسمهم بالشكل هذا باش يعودوا دايرين وحدهم فاهمين اوكي هذو هما لي 3 ماركاج تاعي نبدا بلا ترانزيسيون تي اون تي اون نون فيفونت لماذا لان تي اون جو نو بو بلو لا تيري من marquage 1, je ne peux plus l'attirer, mais le marquage 2. Mais de manière directe, ni de manière directe, ni de manière indirecte. Ça veut dire quoi? Que M1 ne permet pas de tirer la transition de T1, c'est bon. Ou M2 ne permet pas de tirer la transition. Un énorme zèbre qui m'arrive, ça veut dire que je ne peux pas l'utiliser. Ni de manière directe, ni de manière indirecte, ça veut dire que cette transition n'est pas vivante. D'accord? Est-ce qu'elle est quasi vivante? Oui. Elle est quasi vivante. Parce qu'il existe au moins un marquage où je ne peux pas l'attirer. Okay. Elle est quasi vivante. Pourquoi elle est quasi vivante? Parce qu'il existe. Il existe le marquage N0. Quelquefois, N0 permet de tirer T1. D'accord? Ok. Ça c'est pour les transitions. Ça c'est pour les transitions. Neuf sachets. T3. Kif. طبق عليها نفس الخدمة T3 نقدر تيري في M0 مي جو بو با تيري في M1 جو بو با تيري في M2 أيوا نروحو دركا T2 إسكو T2 إيتي ترانزيسيون في فونت Elle n'est pas vivante. Pourquoi elle n'est pas vivante? Parce qu'on ne peut pas la tirer.
que maintenant, je ne peux plus la télé. Je ne peux plus la télé. Maintenant, elle n'est plus tirable. Malheureusement, à partir de ce point, je ne peux plus la télé. Dans ce cas, je vais maintenant faire une petite modification. T2, non vivante, pourtant, où chaque dit mais M0, T2, elle est vivante, avec un S, ou bien je peux la dire avec une séquence S, mais M2, T2, elle est toujours tirable, mais M1, malheureusement, je ne peux pas tirer T2. Est-ce que le modèle est pseudo-vivant?
على الأقل عندك أي ترانزيسيون تقدر تيريها وتقدر تيريها ديما، معناته على الأقل عندك أي ترانزيسيون في فونت. كان تعود عندك أي ترانزيسيون واحدة في فونت، لو موديل إلي بسودو في فونت، داكوغ؟ لو موديل إلي بسودو في فونت واحدة. وش معناته؟ يقدروا الآخرين واحدة منهم ما تديرها، واحدة منهم منا رايحين تيريوها. يعني باغ إكزومبل شوف vivante, non quasi vivante.
La transition tide, elle est vivante. La transition tide 3, elle est vivante. Non, les deux transitions tide 3 et tide 2 sont vivantes. Maintenant, tu y as un marquage, maintenant deux points. وعاود يروحوا لي الماركاج عندنا دو بوين وعاود يروحوا لي الماركاج عندنا دو بوين صافي دير هنايا عندنا دو ترانزيسيون كي سون فيفونت اي ترانزيسيون كي ني با كازي فيفونت لو موديل باش نقولوا عليه كازي فيفون باردون سي با كازي فيفون سو دو فيفون سو دو فيفون اوكي اسكو كاين اون مانيير باش نموديفي لو موديل هذا دو تيل سورت تاع لا ترانزيسيون تي 2 لا ترانزيسيون تي 3 نون فيفونت Mettons quasi-vivant. On vient quasi-vivant. Et fais-je pas pour modifier le modèle, je suis en transition quasi-vivant. Je m'en ai quasi-vivant, mais je m'en ai tout ce qui est lié au tous les marquages. La question est posée, est-ce que je peux avoir un modèle? Normalement, je peux l'avoir, je peux donner d'autres exemples. Est-ce que je peux avoir un modèle qui ne contient pas de transition vivante? Mais qui est pseudo-vivant? C'est ça. Donc, maintenant, formaliser, hein, soi-disant, avec la bonne question, comment faire? Ça peut être une bonne question ou d'interrogation. Donner un exemple dans un modèle. Dans un modèle, pseudo-vivant. Pseudo-vivant. Est-ce que je peux avoir une transition vous avez seulement, est-ce que je peux avoir seulement des transitions quasi vivantes? Dans un modèle pseudo-vivant, est-ce que je peux avoir uniquement des transitions quasi vivantes? Je m'en intéresse uniquement des transitions quasi vivantes, ça veut dire qu'il n'y a pas de transitions vivantes. Ça peut être vu comme des transitions qui sont tirées dans une section et des transitions qui sont tirées dans une autre section. Alors, c'est pour ça que la réponse oui. Il y a aussi des exemples. Il y a un exemple que je veux voir que c'est le premier que je m'amènerai. La quasi-vivacité des transitions, la vivacité des transitions, la quasi-vivacité du modèle, la pseudo-vivacité du modèle et la vivacité du modèle. La question que l'on a à ce militaire, il n'y a qu'un état d'accueil. Je m'en ai dit un état d'accueil, c'est un marquage qui est toujours ou bien qui est accessible par tous les marquages, ou bien depuis tous les marquages. Donc, état d'accueil, donc la nationale terre à ce militaire, il y aura état d'accueil, état d'accueil, ou bien, il s'agira en anglais, state. State here. Et pas d'accueil, ou bien state here. Ça veut dire quoi? M est un state here. Où je m'en ai dit? M'en pour n'importe quel autre marquage entry qui est dans les arbres, bien l'arbre de marquage accessible, RM0, où je suis allé. M là, il est accessible à partir de entry. Est-ce que vous avez un état d'accueil? Ben oui, il y a un état d'accueil. N'a jamais
هاو الارض دو ماركاج اللي قبل واش يعود هنا اسكو هنا كاين عندي داك نو ما كاينش عندي داك واحد غير باسكو جو بو با علي ديسيدر لا اي جو بو با علي ديسيدر اوكي دونك لي داك سا فو دير سي دان ماركاج كي سو اكسيسيبل بار تو لي زوتر ماركاج السؤال المطروح اسكو يقدر يكون عندي بليزيور سي دان داك واش رايك واخا ما فيهاش جو بو اسكو جو بو افوار بليزيور سي دان داك اسكو جو بو افوار دو سي دان داك وي يا باشا ماركاج نعم 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 صافي ندير كوا معناها كيفاش نعود عندي لارج تاعي فار اكزومبل يعود عندي انسجت ام زيرو بالسي ومن بعد عندي لي ماركاج اكسيسيبل بالسي ومن بعد واش عندي عندي انسجت ام هنا شوفوا كي ندير هكذا معناها القوم كامل يوصلوا لي للام هذا واش عاد عاد عندي تضركب ان اوتر اي تضركب واش معناته هو هكذا ام 2 عاد وكامل يروحوا ل ام 2 اسكو ممكن يكون عندي هذا الشكل ام 1 و ام 2 سو سون دو زيتا داكوي اسكو نقدر نقول عليهم دو زيتا داكوي لا لازم اثنان ام 1 هكا يمكن يعود ام 1 يروح كيما هكا واش عاد عندي عاد عندي لازم زيتا داكوي اللي هو ام 2 لو كان من ام 2 فيها نقدر نجي هنا واش عاد عندي جي دو زيتا داكوي Ça veut dire que je peux avoir plusieurs états d'accueil dans un arbre de marquage ou bien dans un graphe de marquage accessible. Okay. Un graphe de marquage accessible, au-delà de ce que je parle d'état d'accueil, c'est uniquement dans les graphes de marquage et non pas dans les arbres. Parce que dans l'arbre, il n'y a pas d'état d'accueil. Je connais l'état d'accueil. Parce que pour l'ouest, on a des branches. Un état d'accueil, ça veut dire qu'il s'agit d'un graphe dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça veut dire que je ne peux pas parler de marquage d'accueil ou bien d'état d'accueil, ou bien c'est sûr. Parler de ce concept-là si je n'ai pas un graphe. Ça marche uniquement avec des graphes, ça ne marche pas avec les arbres. Okay. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs états d'accueil. Est-ce que vous avez un examen d'accueil qui vous dit que je suis réversible? Réversible, je suis un état d'accueil qui est à zéro. Ça veut dire quoi? Tout simplement que j'ai un M0 ou un M0 qui est un M0 ou pas un M0 que même le M0 marquage il dit un état d'accueil ou il y a 900 sur dans un réseau de vitrines irréversible combien il y a d'état d'accueil? Une certaine borne, avec une certaine bornitude.
كاين البورن سوبيريور واذا كان هذا البورن سوبيريور اللي كونو واللي نسميوه هكا لو موديل نسميوه ماهوش بورن نسميوه موديل كابورني اوكي كيما هذا الموديل اللي ان بورني وعلاه لانه لو نومبر دو جوبون في لي بلاص كامل ما يفوتش 1 وفي تو لي ماركاج واذا كان لو نومبر دو جوبون في تو لي ماركاج لو ديباس با 1 اي بان لو موديل اللي بورني اللي ان بورني اللي صوف نسميوه لو موديل سيلف معناته لو نومبر ماكس دو جوبون كو جو بو افوار دون سي بلاص اي دون تو لي ايباف ne dépasse pas 1. C'est inférieur ou égal à 1. Ok ? Vous voyez bien ? Ce modèle-là, il est imborné. C'est ça. En atelier, on a gardé toujours pour des modèles qui sont bornés. Le moral, il fait déjà l'exemple de l'étonnerie. C'est un modèle non borné où le nombre de jetons il est évolué jusqu'à l'infini. Ok ? C'est bien. Voilà. C'est quelqu'un qui est là avant que je passe à autre chose. Je connais un deux esprits là, vous voyez. Ok. Donc, je vais effacer maintenant la partie de l'IA. J'aimerais que ça va tableau être de même chez aujourd'hui et de la vidéo. Ok. Donc, je vais effacer cette partie là. C'est bon. Essaye. Je rappelle que les notions sont en train de faire de la révision. Mais c'est une révision que je considère très importante pour vous avant d'obtenir quelque chose qui est considéré soi-disant de bon niveau ou bien des objectifs de bon niveau. Pour passer les objectifs de bon niveau, il faut tout d'abord maîtriser les objectifs de bon niveau soi-disant. Sinon, ça ne sera rien d'étudier par exemple les objectifs de bon niveau. Parce que si vous n'étudiez pas cette puissance d'analyse de ces modèles-là, vous n'allez pas comprendre par la suite l'avantage de ces modèles par rapport aux modèles de bon niveau. C'est ça le problème. J'espère que je ne vais pas effacer des trucs qui sont importants ici. Je pense que les mecs, je n'ai rien. Donc je vais effacer ça. Je vais essayer de continuer là où j'étais arrêté la fois passée. Sur un aspect qui est l'aspect toujours structurel, comment calculer les P invariants, comment calculer les T invariants. Je pense que nous avons déjà fait des exemples sur le calcul des P invariants, des T invariants. Donc aujourd'hui, je vais passer à la série numéro 3, mais toujours de la révision, il n'y a rien de spécial. Voilà la série numéro 2. Je vais faire la série numéro 2, qui contient toujours des exemples. Donc je ne vais pas faire tous les exemples, bien sûr, je vais faire uniquement trois exemples au max, j'ai ici 6 exemples. L'objectif c'est uniquement de donner des exemples. Je pense que nous avions terminé déjà la série numéro 2 par contre, donc je vais passer directement à la série 3. Et je vais essayer de faire l'analyse graphique et en même temps l'analyse structurelle pour comprendre la différence entre les deux. Mais aujourd'hui je vais commencer par l'analyse structurelle. Donc, TD 3, exemple 1. Vous avez le modèle suivant. Voilà. La place 1. Et ici, vous avez la transition T2. Ici, vous avez la place P2. Ici, vous avez la transition T1. Ici, vous avez la place P3. Ici, vous avez la transition T3. Et ici vous avez la transition T4, et ici vous avez la place T4. Très bien. Voilà. 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 Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et c'est bon. On se demande de faire une
une chose. En général, dans un réseau Petri, on se pose les questions suivantes. Tout d'abord, est-ce que le modèle il est borné ou bien non borné? Deuxième chose, on se pose la question sur la vivacité. Est-ce que le modèle il est vivant, quasi-vivant, pseudo-vivant? Est-ce qu'il y a des transitions vivantes, quasi-vivantes? Ensuite, est-ce qu'il y a un état d'accueil? Et enfin, est-ce qu'il y a des statements? Enfin, ce sont quelques exemples de propriétés qu'on s'intéresse toujours à vérifier ou bien à analyser dans un réseau privé. Et nous avons dit dans l'une des sciences ou bien dans l'un des cours passés que ces propriétés-là peuvent être considérées comportementales. Ça veut dire quoi comportementales? Ça veut dire qu'ils dépendent du marquage initial. Ou bien structurel, ça veut dire quoi? Qui ne dépendent pas du marquage initial. Ça veut dire, je peux avoir un modèle vivant à base de quoi? À base de. Pour un certain marquage initial, il est vivant. Si je change le marquage initial, le modèle ne sera pas vivant. Ça veut dire quoi? Que son graphe d'accessibilité sera différent et il va contenir un blocage. Par exemple. Par contre, une vivacité structurelle veut dire quoi? Que de n'importe quel marquage initial, le modèle est vivant. Tu peux commencer avec n'importe quel marquage initial. Même chose pour la borne vue. La borne vue est peut-être comportementale. Ça veut dire quoi? Le modèle est borné parce qu'il a démarré d'un certain état. Si vous changez l'état, le modèle ne sera plus borné. Quand je peux avoir de la borne vue structurelle, veut dire quoi la borne vue structurelle? Que le marquage initial peut avoir. Le modèle est toujours borné. Vous pouvez commencer avec n'importe quel nombre de marques. Vous pouvez commencer avec 1 million de marques. Mais le modèle est toujours borné. Ça veut dire que je ne vais pas dépasser une certaine marque. C'est pour cela qu'il y a l'analyse structurelle qui analyse le modèle indépendamment de son marquage initial. Et il y a l'analyse soi-disant graphique ou bien comportementale, comme nous avons dit là-bas. Et bien, il est basé sur le marquage M0. Ça veut dire quoi? Si je change le M0, le graphe sera changé. Et dans ce cas, les propriétés conclues ou bien les propriétés que je vais déduire ou bien déduites ne seront pas les mêmes. Oui, d'accord. Maintenant, on va essayer de faire soi-disant de l'analyse structurelle. Où je manipule l'analyse structurelle avec les petits invariants et les petits invariants. Donc, maintenant, voici la question 1. La question 1. Calculer les petits invariants. Et pourquoi pas les petits invariants? Lorsque vous calculez les petits invariants et les petits invariants, on va revenir et on va se poser la question sur est-ce que je peux déduire la probabilité, la vivacité, l'état d'accueil et le stator quand je viens de le déduire ou bien quand je l'ai déjà déduit à partir de l'analyse comportementale. C'est ça la question. Et la fois passée, on a au moins parlé que pour l'état invariant, je peux déduire la probabilité, pour l'état invariant, je peux déduire la vivacité. En quelque sorte, mais il faut avoir bien sûr de l'interprétation qui se cache derrière cette analyse équationnaire ou bien cette analyse matricielle. Oui. La troisième et la quatrième, je ne peux pas les déduire directement à partir du bien invariant et du tien invariant. C'est autre chose. Le bien invariant et le tien invariant me donnent une information soi-disant rapide sur l'aspect vivacité et l'aspect borné. Donc, tien invariant, je suis maintenant à l'analyse. Tien invariant, ça veut dire que c'est un vecteur place. C'est un vecteur place. Ça veut dire quoi? Le nombre de composantes égale au nombre de places. Par exemple, ici vous avez P1, P2, P3, P4, ça veut dire que vous avez 4 places. Et donc le vecteur P1 invariant, pour les nombres de Z, il doit contenir 4 composantes qui peuvent représenter des marquages, des 4 places ou bien des pondérations de ces marquages-là. En général, ce sont des pondérations. Pondérations, je m'en ai fait même des coefficients. Des coefficients que je vais les multiplier par les places ou bien par les marquages des places. Ok? Donc, le P invariant, où je m'en ai fait, c'est un vecteur ZT, ou le Z, mais il y en a un mot de transpose inter. Le Z, c'est un vecteur colonne, mais il y en a un mot de transpose inter, où je n'ai pas de dire la multiplication avec la matrice d'incidence. Le Z de type, là, où je suis, il y a un
Oui, la composante Z1, la composante Z2, et la composante Z3, et la composante Z4. Pourquoi? Parce que vous avez 4 places. Donc, quand j'ai un bracket de 3 places, j'ai réussi. Have multiplié par C. C, il y a la matrice incidence. Ou je m'en ai fait. Place 1, place 4. Ou faire transition 1, transition 4. Have ou je mettre un vecteur de 5. Il y a un vecteur colonne, très haut vecteur ligne. Oui, maintenant, vous voyez, un peu de la jambe de la trappe, c'est de résoudre ce système d'équation qui identifie les Z. Ou qui est le cas de les Z, on va déduire rapidement. Il y a même un être humain. Il y a ce graphe de marquage qui peut être infini. Ou qui peut être fini. Avec beaucoup de. Qui nécessite beaucoup de calculs. Et on a besoin de construire un arbre, ça veut dire que c'est une structure de données. Ça veut dire qu'on a besoin de l'espace mémoire pour stocker la structure de données. Et on a besoin de temps pour calculer cette structure de données. Et ceci, donc, exige une machine puissante en termes de calcul et en termes de stockage mémoire. Et les modèles ne sont pas simples comme les modèles que nous sommes en train d'examiner ici dans les tableaux. Vous voyez, l'arbre interne est un peu plus mal. Dans un vrai modèle, l'arbre, ou bien le grade d'accessibilité, peut atteindre des millions de nœuds. Et lorsque vous avez des millions de nœuds, tout d'abord la construction, elle est fastidieuse, le stockage exige beaucoup d'espace mémoire, et lorsque vous voulez vérifier des propriétés, par exemple, est-ce qu'un certain état est accessible ou non, et bien il faut avoir des algorithmes de recherche qui vont parcourir l'arbre essentiel pour faire la décision. D'où on a besoin de machines puissantes pour faire de l'analyse comportementale. Peut-être avec l'analyse structurelle, c'est encore plus facile. Parce que c'est plus de calculer soi-disant les solutions pour un système de pensée pour ce okay. Dans ce cas, chaque la place 1 est le Z inter A, la place 2 est le Z de terha, la place 3 est un Z3 terha, ou la place 4 est un Z4 terha. Je vous remercie. Hela, ou Z1, ou Hela, ou Z2, ou Hela, ou Z3, ou Hela, ou Z4. Ok? Ou je vais vous donner une équation. Je vais vous donner 4 équations. D'accord? Et ces équations vont faire quoi? Ils vont lier les Z au Z, c'est-à-dire qu'on a les Z à les Z. Alors, tu peux dire que tu as un nom ou tu as un jour, qui m'a fait un jour, on va faire des exemples. Ou il m'a fait le système d'équation, il est directement le graphe là, ou bien peut-être il y a aussi un graphe qui est en tant que Z, on n'a pas là. Ou je ne joue pas. Je joue au Billy, elle a Z3. Z3, il est maintenant, ou il dit, ouais, je suis à Z3. Ou peut-être, ouais, je suis à Z3. Z3, maintenant. Z3 maintenant, ou je suis il y a plus Z1 maintenant. Apparemment, Z1 arrive à Z3. Maintenant, Z3, je sais où Z1. Certainement. Z1, je suis maintenant, ou il y a un ami Z2. Maintenant, Z1, il y a la Z2. D'accord? Z1, vous faites mettre Z1 égale à Z3, Z1 égale à Z2. En même temps, je trouve Z2 peut être le même malheur. Z4, vous y mettez Z3, malheur. Maintenant, Z3 plus Z4 égale à quoi? À Z2 plus Z4. Maintenant, Z2 égale à Z3. Vous y mettez Z1. Soit des ans, maintenant, ben, c'est tout ce que je peux avoir. Mais, elle n'a pas de cuisine dans la réalité. Apparemment, elle dit qu'elle a toujours des rames, des aides qu'elle est égaux, soit des ans. Si je ne suis pas encore familier avec ça, je peux directement faire des équations. Là, c'est la même chose que je peux tirer de
graphe. Dans ce cas, je vais en dire Z1, Z2, Z3, Z4. On va la multiplier par la matrice. Allez, on va développer la matrice pour que je m'en rende à la place PU. La place PU. Je connais les JBLA. Transition T3. Je connais les TRA. Transition TU. On va être moins 1 pour la transition TU. On va être à la transition T2. T3, on va être à la T4, on va être à la T4. La matrice d'incidence, je vais être à la T4. La place P2, P2 est je connais les jibelha, la transition T1, je connais les jibelha, la transition T2. P3, je connais les jibelha, la transition T2, je connais les jibelha, la transition T3. Parce que les poids. Ah, le domaine, on a dit quoi? Le cas où j'ai dit quoi? 2, 3. La place P3, je connais les JBLA, la transition T1, je connais les JBLA, la transition T1. Qui m'a dit là? Le système d'équation, il n'est pas le P1 variant. Je vais vous dire, je vais vous dire, P1 variant, il y a une conservation dans le nombre de jetons dans le modèle. Et non pas dans les classes, dans le modèle de l'opère. J'ai regardé à manifeste qui fait que je n'ai pas de l'autre. Ok. Voilà, c'est le meilleur pile variant parce que c'est la conservation, c'est l'invariance. Au bout, aujourd'hui, il conserve la quantité de jetons dans le modèle. Maintenant, qui fait que je mets l'équation des paroles de Boulin, le marquage M' égal au marquage M, Z, C, multiplié par le vecteur caractéristique des séquences sigma qui permet de passer de M jusqu'à M'. Nous avons l'équation de ZT. ZT M' égale à quoi? À ZT M plus quoi? Z difficile. Z difficile égale 0. Rah, la partie est. Où est-ce que je vais l'équation de là? ZT M' égale à ZT M. Magnétique. Est-ce que M égale à M'? Là. معناته لو ماركاج ال و ماركاج ال بريم ماهمش كيف كيف بصح كي تضربها في زد دو تي اللي هي لا بونديراسيون يعطيوك لا ميم فالور واش معناته لي جوطون يتبدلوا البلايص تاعهم بصح لو نومبر تاعها ما يتبدلش باقيين يلعبوا هذوما لي جوطون يبداو بطريقه ومن بعد اون فا شونجي اليكمون لو ديستريبيسيون اي سون اون تران دو سيركولي دون لو موديل اي بان سي لي جوطون نوغمونتو با اي نو سو ريتويز با. Et bien le modèle, c'est mieux, on va le dire, c'est un modèle conservatif. Et dans ce cas, on a un vecteur qui est un variable ou un Z. Et le vecteur, les composants internes sont positifs. D'accord? La chute sera un variable, F de S. Ok, on va faire le calcul derrière. Dans ce cas, il va être de marcher là. Où est-ce qu'il est? Je vais vous dire
هذا من كنت ملكيتش أنا ليكواسيون كادريا أوكي مك هذا تلوماتي أوكي دونك سيكسنتي رويضات أنا من بوليجينا تصعيد الكلية كادر ليكواسيون هذه هي ليكواسيون رابعة يكون دفتو هي هاي كبيرة هاي كبيرة هذا من فرمشا أوكي فرمشا لبطبي هي الفرق داكور دونك أنا فهمنا كومون سا سباس معناتها في دون système d'équation. N'importe quel genre d'équation, c'est facile. Mais n'importe quel type, quoi, ce système d'équation, on change directement le cas. Le nombre d'équations égale au nombre de transitions. Dans chaque transition, nous avons une équation. La transition on a dit une première équation. Du coup, il y a z1 égale z2. La transition T2, alors quand elle est l'équation, la transition T2, première équation, je vous le dis, z2 égale à quoi? À z3 plus z4. On va vérifier. واش عندي z موان z بلس z3 بلس z4 واش معناته z صح ها هي وي دون لا ترانزيسيون تي دو واش عندي عندي z3 بلس z4 اللي خرجوا نسميو اللي دخلوا اللي دخل هو z2 اوكي نروحوا للكونسيون نيميرو 3 راه واش تقول لي z2 اللي كان z3 Est-ce que c'est vrai? Ha! Nez Z1. Z1 égale Z1. Z1, là, moins Z3 égale 0, égale Z1 égale Z3. Ah, oui. T'as vu l'équation θ, bravo, il y a donc l'équation θ, que je peux dire que je peux dire Z4 égale Z2. C'est vrai ou non? C'est vrai ou non? Il y a quel nom là? Vous avez quoi? Z1, Z2, Z3, Z4. Il montre quelque chose ici. Okay. Ah oui, la matrice elle est 4 grades. Donc là, normalement, la colonne derrière, où est-ce qu'il y a? P2. Le P2, je connais le limite de là. T1, où je connais le limite là. T2 ou T4. Ah, on va dire Z2, non? Moins ça. Pas plutôt plus ça. J'ai mal. اوك هذه هي الاطنس يا جماعه انا اللي قاعدين نوديفيو بونسيبل كاين اللي غير هذا اللي قاعدين نصححوا فيها صححناها في الجراف صححناها في الماتريس دونك سو كان لا المعادله الرابعه اللي كونسيون نيميرو 4 في لا ترانزيسيون تي 4 واش عندنا عندنا Z4 إيجال à Z2 سي فري بور لا نورمالمون سي فري باسكو فو زالي افور Z2 موان Z4 إيجال 0 إيجال Z2 إيجال Et comme ça, nous avons 4 équations. Si 4 équations, donc on peut trouver qui fait-je. Il y a une même système d'équations, on a dit les 4 équations, il y a une même taréfa. La taréfa, il y a une toujours qui grave directement, ou même d'un fâche. Même d'un fâche, c'est pas difficile, je peux le faire. Un événement de graphe, est-ce que. Maintenant, je vais te faire de mes câbles. من الجراف تخرج من السيستم الباسيون تاعك وتخرجوا ايكيليبر تخرجوا كيما هكا ما كانش زيرو تخرجوا كونسا ديريكتور زاد ان ايكال زاد 2 زاد 3 ايكال زاد 3 بلس زاد 4 زاد 2 مانتونون لا كيستيون كي سو بوز اسكو سو سيستم اين اون سوليسيون هل عنده حل ولا لا هذه المعادله تعدل الحل ولا لا واش معناها اسكو هي دي فالور فور زاد 3 فور زاد 2 فور زاد 3 فور زاد 4 de telle sorte que cette sous-système de pension sera juste. أكثر من هذا الشيء مش لازم لازم يرد Z1 Z2 Z3 سيبالور إيجال Z ما نقبلوش دي فالور صيرو ما نقبلوش دي فالور نيجاتيف صافي دير كوا كو افيك كوا هنا افيك Z1 Z2 Z3 Z4 سيبالور إيجال Z إل إكزيست أن سارتان Z3 سيبالور ستريكتومون أ زيرو إي أبارتونون أ 1 4 يعني سو ني باز أن فيكتور نو Mais ce n'est pas nécessairement un vecteur carrément positif. On a toujours qu'on fait des valeurs qui sont positives ou qu'on fait des valeurs qui sont nulles. Mouchou nul ball, il y a un nul ball, ok, on va vous faire des vecteurs. Un vecteur nul multiplié par n'importe quelle matrice, pas vraiment de ça. Là, c'est un vecteur positif, mais on empêche des valeurs négatives. Ou est-ce qu'il vous dit, ou l'oukène, on a qu'il y a le système là, on a qu'il y a le système qui est négatif. مش مشكلة معناتها ما عندكش دي بي ان فاليو وين كي ما عندكش دي بي ان فاليو واش معناتها؟ اسكو راهو بورني؟ نو راهو بورني ما والو ما نقدر نقولو والو
فهمتوا كيفاش؟ يعني زعير ما نقدر نقول والو، سا ماش با. الطريقة تمشي إلا إذا كان البيك بي لوزيل بيتو بوزيتيف، كان بيتو نيجاتيف ماشي معناته المنظور ليه، لا تقدر تقول والو. اوكي، معناته لوزيل إذا كان بوزيتيف أو نو وكاينين فيه سا فادي سوبيريور كالا زيرو وكاينين فيه دي فالور كي سون ستريكتومون بوزيتيف، أون بارل مينتونون كي هي بي انفاريون. هايوا كاين بي انفاريون، واش نستنتجو؟ نستنتجو باللي كاينين دي كومبوزونت كونسيرفاتيف. واش معناتها كومبوزونت كونسيرفاتيف؟ معناتها كاينين مجموعات نتاع لي بلاص، مجموعات نتاع لي بلاص وين لو نومبر دو جوتون المجموع نتاعو لا سون دو لو جوتون اللي كونسيرفي. مش انه لا بلاص بي اون يبقى فيها ان سول جوتون مدى الحياة، لا، لا بلاص بي اون ولا بلاص بي دو ولا بلاص بي تروا فيهم انسان كي ريست طابع ممكن 4 5 6 وهذو ما الخمسة يبقوا ديما خمسة بصح التوزيع نتاعهم يقدر يتبدل، يقدر يكونوا خمسة في البناء والاخرين فيهم 0 0 يقدر يكونوا زوج 3 0 يقدر يكون زوج زوج واحد يقدر يكون واحد 3 واحد ينسي دوسو سا فيدير كو لورسكو جي دي فالور بوزيتيف مثلا كان يعود عندي زاد 1 زاد 2 بوزيتيف وزاد 3 زاد 4 0 واش نفهم؟ باللي راهي لا كومبوزونت بلاس بي بلاس دو هذو هما لي دو بلاس مع بعضها لو نومبر دو جوتون فيها لا سوم دو لو جوتون اي ستابل اي فيكس اي انفاريون على بالك نسميهم دي بي انفاريون بي انفاريون معناتها لانفاريونس واش هي الانفاريون واش هي الانفاريون سي كوا سي انفاريونس كونسيرف كونسيرف لا سوم دو جوتون دون زان نومبر دو بلاس هذوك لي بلاس نسميهم دي كومبوزونت كونسيرفاتيف داكور هايو واحد يقول لي انا مازال ما حكيتش لا بروبيتيود اذا كان عندي ان موديل كونسيرفاتيف واش معناته لا كونتيتي دو جوتون ما تهبط ما تبقى اي خلاص دي بورني ما عادش هذا بورني برك لانه بورني معناته انه النمبر دو جوتون ما يفوتش بلاصه محدده يقدر ينقص للصفر بصح ما يفوتش بلاصه محدده اللي هي بون سيبيريو اما كونسيرفاتيف راهو ما يطلع ما يهبط لو نمبر دو جوتون اللي فيكس تو لون سي اونكور بلو فور وهذه حكينا عليها المره اللي فاتت ما التوصيف عطينا دي زيكزامبل اوكي مش مشكلة كملوا هنايا هو اسكو هذا السيستم دي كواسيون عنده حل ولا لا؟ واش رايك؟ اسكو نقدروا نديروا له حل ولا لا؟ Des équations, normalement, on a des applications, des
valeurs paramétriques, des valeurs naturelles. Ça nous coûte le 29 et 22. Bien sûr. Mais ça, c'est pas grave. Bien sûr. Mais ça, c'est pas grave. هنا معنى كشي فيه كل هو شيء يقول علاه بصك هنا عندي ترجع هنا عندي تعود حاجة أخرى تعود زد أحد قال دو زد أحد في طو دو زد دو فهمت؟ لا كسي وكي سوف تفضل كان اسمي أقول نحن من السيستم هذا ولا لا إذا كان ما نقدرش نحن نقدرش نحن نعطيك مثال شوف وش عندي هنا عندي هنا زد دو هذا وش وين المشكلة تاعنا موديل هذا نسيبو لو بروبليم المشكل تاع الموديل هذا هو انه زد 2 تخرج لي زد 3 وزد 4 لاحظ معناته زد 2 تمد لي زد 3 وزد 4 ومن بعد واش يصرى ان زد 4 يمد لي زد 2 وكانه هذه زد 2 هذه شيء غريب ولا غريب لان زد 2 تخيلوها في شغل بار تقسمه وش يخرج لك؟ ما هو يخرج لك نص بالون نص بالون لا هو وش يخرج لك؟ يخرج لك نص بالون ومع بالون دونك لو موديل اللي نون بون اللي كذا اللي نون بون باسكو كاين كاين اي نون بون باسكو بون دي ريسورس واحد يقول لهم كيفاش عرفنا؟ عرفناها من شوفوا مليح زاد ان جورنون وش يكون هذا الجورنون هذا؟ يكون لي هنا دو جورنون ومن بعد يعاود يجي لنا شوف من معي هذا جوطون هذا جوطون كيف تيري وش يخرج يجيك واحد هنا واحد هنا خلي هذا زيد تيري هنا وش يجي وهذا مازال ما راحش تيري هذا هادو زوج تيري هذا ارجع هذا هنا زيد تيري هنا وش قاعد يصير في لاتري بلاستر وش قاعد يصير كاين اي اوغمونطاسيون اكسيسيف صافي دير كنا نخلو ديجا لا فاس بيترون اي با اي با بروبلي داكور صافي جيسبر كو جيسبر كو سي كلير مي مي ريست لا سافوار معناتها هنا لا سي كلير بلي لا فاس بيترون لا فاس بيترون اي با بروبلي دونك مي لازمك هنا نحاول اني نلقى انا هنا لي سوليسيون باغ اكزومبل سي جو مي باغ اكزومبل هنايا زيرو لو كان ندير في زيرو 3 زيرو زد 1 يقال له زد 3 او صافي دير بعد عاد يكون عندي هنايا زيرو اون فوا عندي هنايا زيرو زد جاعد عندي زيرو اوكي اسكو كاين دوطر سوليسيون بور سي رايحين نختار حتى نلقاو الحل كيفاش كان ملقاو الحل Maintenant, que je vais le système d'équation avec OK, oui, bon, bah, d'après les termes, normalement, fait l'analyse numérique. Je ne sais pas si vous avez fait des algorithmes, mais, par exemple, l'algorithme Gauss-Jordan, on a des algorithmes d'approximation qui permettent de résoudre le système d'équation linéaire. Ben, maintenant, on va essayer de trouver une solution. Si ça, si, il n'y a pas de solution, ça ne marche pas. Il n'y a pas de solution. Et apparemment, dans ce cas, il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution positive. Est-ce que nous avons une solution qui n'est pas positive? Une solution qui n'est pas positive. Est-ce que quelqu'un... Moi, je ne sais pas. Il faut chercher. Mais l'essentiel, apparemment ici, on n'arrive pas à trouver une idée d'envoi. À condition, je marque, nous avons un truc de rappeler. Ce que j'ai fait ici, normalement, il n'est pas le truc. Mais ce qui est remarquable, c'est que apparemment, le modèle n'est pas bon. انا وعلاش كي لقيت ان اوغمونطاسيون في لابلاس بي 3 جيت ديريكتومون حطيت هنا زيرو باسكو المرة اللي فاتت في لو كور اذا كنت شفتو كانت كاينه واحد القاعدة تقول لنا بلي الريفرونس ان فيكتور بي ان فاريون لي كومبوزونت اللي فيهم زيرو سو سون دي بلاس كي نو سون با بورني او بيان كي لا اون نيا با دو كونسيرفاسيون لا اون نيا با دو كونسيرفاسيون اوكي maintenant لو موديل هنا لو موديل non conservatif. Ça veut dire que le modèle n'est pas conservatif. Ça veut dire que le modèle... Est-ce que maintenant le modèle n'est pas borné? Là? Peut-être
qu'il est dormi, peut-être qu'il n'est pas dormi. Attention, on a la main, on a non dormi par l'exécution, par l'exécutif du modèle. Mais chez les Nakhdorna, le modèle non conservatif, il n'y a pas de ZBT. Mais qu'est-ce qu'un Z supérieur ou égal à 0 avec un certain Z supérieur strictement à 0? On n'a pas trouvé. J'avais un gars qui me jargo, apparemment ça n'existe pas. Il y a une petite contradiction. Au même temps, Z de égal à la somme et au même temps, Z égal à une partie. Il y a une haine qui est la dernière. Oui. Et le Z2, fait 9 sur le barre de C, oui, mais je vois, au fait 9 sur le barre de Z2, il est égal à une partie. Maintenant, il est égal à une partie. Maintenant, j'ai un Z3 égal à Z1 et Z1 égal à Z2. معناته مش راني نقول في نفس الوقت تخيلوا ما كيما هكا في نفس الوقت عندي لو سيستيم ديكواسيون هذا زد ايغال على انسون وفي نفس الوقت زد ايغال على زد 3 وزد ايغال على زد 4 اللي كلاب اللي هنا هذا لو سيستيم غادي يكون با دو سوليسيون ناتوريل ما عندوش سوليسيون بوزيتيف ما عندوش ما كانش هكا كوم سا معناته بلي نو سافون ان بروبليم بيتيتر كنا فان سوليسيون كاريمون Dans ce cas, le modèle n'est pas conservatif. Mais est-ce que le modèle est bon ou le non bon? Il est quelqu'un qui est mort. Tu sais, le modèle bon, mais je ne sais pas. Mais on change les Z2T fois C égale à 0. Là, laisse-moi te compte une valeur, ben je vais te borner, laisse-moi un prix, il y a un autre. باش نعبط ان بريم واش معناته لازم هو ان زائد ان كونتيتي نيجاتيف معناته واش لازم يكون زد دو تي فوا سي انفيريور تا زيرو هذا واش كنا المره اللي فاتت المره اللي فاتت واش قلنا قلنا نورمال واش عندنا ان بريم هو ان بلوس سي فوا في سيغما داكور كي نوضر كلش في زد دو تي ها اخي معادها هاي زد دو تي هاي زد دو تي اوكي سماش ريان شونجي اذا كان هاد لابارتي زيرو كيما هذا الشيء كنا نحلمو به ولا نحوسو عليه تروح هذه يبقى هذا يساوي هذا هنا سي لا كونسيرفاسيون الاحتفاظ لو ان بري il conserve le M. Mais moi, je suis au CWI. Je suis au CWI, mais il y a une autre composante. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Par exemple, 1, 3, 0, 1, ou je fais la somme. 5, tu as un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a 1, 0, 3, 1. Il y a une conservation. Tu as la quantité de jetons. Pourquoi est-ce qu'il y a un ZTC égale à 0? Ah, c'est un chéri, c'est un خلاص معناتها با دو كونسيرفاسيون واش يعمل دوكا يا اما هذا يا اما نساو هذا يا اما هذا هادو مزوج يا اما بيناتهم اكبر تماما واش معناتها كاين اون موتاسيون اكسيسيف معناتها الامبريك اللي يزيد فيه نون دو جوما هذا واش معناتها بلي راهو اكبر منه معناتها لا بارت هي بوزيتيف هي سوبيريور على صفر يا اما هذا اقل من هذا واش معناتها امبريك يبقى يعني يا هبط حتى ممكن يرجع صفر هذا واش معناته بلي الام بريم ومن الجهه الاخرى تاع الام لازم تنزيد في فالور نيجاتيف الي بلو بروبابل انه يعود كاين بورتيتويت اذا كانت لا فالور هذه نيجاتيف اسكو كي تقول هذه لا فالور بوزيتيف معناته الموديل دي با بورني اون افي سي براتيكمون وي لانه معناته عاد يبدا يطلع لك النومبر دو جوطون يطلع سون زاري بصح كي تعود انفيريور مع زيرو واش معناته الامبريم اللي عاد يجي مني منه وجاي عاد يطلب لهم سبيل من نون دو جوطون مادام لو نون دو جوطون ينقص معناته كاين بروبوتيك اكثر من تعود كاين اون بورتيكوت بالطريقه هذه ولو نون دو جوطون بيعد يوم سيون 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 كيس كون بو دير بور دابيباسيون ابارامون ان مومون دوني اون اورا بلو دو جوطون نيسيسير بور تيري دي ترانزيسيون ابارامون لو موديل نيي با فيفون Par contre, lorsque le nombre de jetons ou la reine de la quantité n est positif, c'est-à-dire que mon prénom est supérieur à 0, mais je n'ai qu'à pas 0, elle est même. Le nombre de jetons fait un prix, et un prix n'est pas ici, 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 ici. Maintenant, ici, où je m'en ai dit, il y a une transition vers une théorie au fil. À la fin, ne fait pas de le modèle est certainement non borné, mais il ne fait pas de le modèle. Il dit, à l'aide, après tout, c'est
نقولش بلي راهو فيهم مي بسدو فيهم لانه ابارمون كاينه ديما حاجه قاعده تصرى في الموديل هذا كاينه لي برودكسيون في السيل كي فيه اي نو سافون توجور دي جوتون كي سون بروبليم اوكي نبداو حنا نشوفوا قبل حكايه داسكو لو نومبر دو جوتون لو نومبر دو جوتون اي با كونسيرفاتيف اوكي اسكو لو نومبر دو جوتون اي لي اون ريدكسيون اون بيس قاعد يهبط باش بعد نقدروا نستنتجوا بلي كاينه لي بورنيتي واش معناتها جو دو فوار اسكو سو سي ميتون نحى هذا ايغال ا زيرو مي اون سو بو سيت كيستيون لا 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 اي دون سو كا اون سو بو لا كيستيون موان ز1 انفيريور ا موان ز2 واش معناتها ز1 سوبيريور ا ز2 موان ز2 انفيريور ا موان ز3 moins z4 معناته supérieur z1 il est inférieur à z3 ou z2 il est inférieur à z4 c'est ça la question qui se pose هل هناك قيم تسمح لي بالشيء هذا في العروض au même temps je vous dis au même temps z1 et z2 Z2 أكبر من Z3 في Z4 نقدر نحليها نقدر par exemple دوكا نبدا أنا نبدا نحاول نلقى حل ندير هنا 2 وندير هنا نعتقد أن نبداش نحل نبدا بالي أحسن ندير هنا 2 وندير هنا 1 1 أوكي صباش نبدا Z1 دا 2 اللي باقي هذا 3 أوكي صباش نروح لـ Z1 لازم يكون أكبر من Z3 أوه صباش با لأنه ميم طون تقول بلي Z1 أكبر من Z2 Z2 أكبر من Z3 وبعدها تحاول تقول لي بلي راهو Z1 أقل من Z3 سيتي كونتراديكسيون دو سيستيم إن ديليكواسيون هذا ما با سوليسيون هذه المتراجعات ليس لها حل إذا بقيت لي حالة واحدة معناتها دوكا واش اكتشفت اكتشفت بلي إني با كونسيرفاتيف باسكو إني با دو كيلان فاريون زدت اكتشفت بلي هذا لو سيستيم ديليكواسيون ما با سوليسيون بوزيتيف واش بقيت لي بقيت لي حالة أخرى أبارمون Z2T fois c, il est peut-être supérieur strictement à 0. Et dans ce cas, manette le système n'a pas conservatif. Ou apparemment, il n'est pas borné. Il n'est pas borné. Pourquoi il n'est pas borné? Parce que la quantité de jetons, elle augmente. Manette, à chaque fois que je vais vous dire, il y a un z de type fois m prime, il est supérieur à z de type fois m. Apparemment, m prime. Madame Zed de Tim et Mendich. Apparemment, M prime est supérieur à M. Le Z de Tim et Mendich. Z de Tim a pris 9 secondes d'imam. Manatou R, il est supérieur à M prime, il est supérieur à M. Ça veut dire que le nombre de jetons il augmente. Donc, parce que quand on a dit que M prime est supérieur à M, je m'amène. On a dit toutes les composantes, elles ont accompagné toutes les composantes. Alors, je m'amène. سرعه الكليمونتاسيون دو جوتون دون تو لي بلاص على الاقل ولا سوبيريور اي كاد باش ما نقولوش سوبيريور ستريكتومون دونك جيسبير كو سي كلير سيت اناليز لا بور دونك اون اون واش اكتشفنا هنايا ما رسمناش الكراف درنا اون ديسكسيون الجبريك اون اناليز الجبريك دونك سيت اناليز الجبريك اون اسي دو كالكولي دي بي ان فاريون بور فوار اسكو لو موديل اي كونسيرفاتيف اون اون دي في لو موديل دي با كونسيرفاتيف من بعد رانا نشوفوا اسكو لو موديل فيه اون اوغمونتاسيون دو جوتون ولا اون ريدكسيون دو نومبر دو جوتون ولا دو لا كونتيتي دو جوتون لقينا بلي بروبابلومون اللي هي اون اوغمونتاسيون دو لا كونتيتي دو جوتون سا فيدي كو لو موديل ني با بورمي اسكو لو موديل اللي فيفون با نيسيسيرمون مي سوفون اللي بسو دو فيفون avec beaucoup de avec soit disant avec une probabilité importante c'est un modèle pseudo-vivant et ceci on va le vérifier dans le cas avec quoi? Avec les tirs invariants. Parce que lequel n'est pas le tir invariant, je m'en ai dit qu'il y a une séquence répétitive. Ah, il y a une séquence répétitive, le modèle est l'élite de l'humain. Oui, lequel n'est pas la séquence répétitive, fait à quel même des transitions, le modèle est vivant. Parce que quand il y a une séquence répétitive qui englobe toutes les transitions, ça veut dire que toutes les transitions seront répétées une infinité de fois, ça veut dire que toutes les transitions sont vivantes. Ça veut dire que le modèle il est vivant. Ok, on va faire ça. Le tir invariant.
pour les T-invariants. Les T-invariants, c'est un vecteur transition cette fois, W. Chaque intérieur boua, T1, T2, T3, T4. Là, parce que vous avez ici 4 transitions. Et la notation de l'air pour moi, W1, W2, W3, W4. On j'ai une idée, on a une autre, W3, W1, W2, W4. Avec une petite intelligence de votre part, vous allez rapidement comprendre que les états vont répondre de cette manière. شحال يعود عندنا الكومبوزونت هنا؟ 4 وشحال يعود من ايكواسيون؟ 4 المره اللي فاتت في ايكواسيون كاينين في لي ترانزيسيون وهاد المره وين نديرو لي ايكواسيون؟ في لي بلاص نروحو لا بلاص وين فين؟ نخرجو العلاقه بين دبليو في 3 و دبليو في 1 ابارامون دبليو في 1 اللي ايكال دبليو في 3 هاك تشوفو يدخل لي دبليو في 3 يخرج لي دبليو في 1 نروح لبلاص بي 2 ونخرج علاقة بين واش بين W1 و W2 و W4 il est clair بلي هنايا W1 و W4 واش يساوي W2 نروح لهنا واش نخرج علاقة بين W2 و W3 نجي هنا واش نخرج علاقة بين W2 و W4 اوكي دونك جو بو فير جوني شوز مي جو بو لا فير ديتا dans ce cas, je crois qu'il faut l'acheter NO C ou W égale à un vecteur 0 et dans ce cas, le W c'est un vecteur colon je ne suis pas obligé de le transposer mais je m'entends pas que je n'ai pas de maquilla mais je n'ai pas de maquilla à la matrice parce que la matrice qui m'a fait un maquilla fait un nombre de transitions multiplié par le nombre de transitions ça me rajoute l'équation la multiplication, il y a le droit de lui porter le ciel mais il est faisable راح يعود عندي لا ماتريس هي موانزا 0 بلس 1 0 بلس 1 موانزا 0 بلس 1 و 0 بلس 1 موانزا 0 و 0 بلس 1 0 موانزا ملتبليي بار دبليو في 1 دبليو في 2 دبليو في 3 دبليو في 4 ايكال اكوا ان سارتان فيكتور 0 واش غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي دبليو في 1 إيكال دبليو في 3 صح؟ أيوا زيدو منا دبليو في 1 إيكال موان دبليو في 2 أبريتون W1 plus W3 égale à W2, d'accord? Ah, pardon, plus W4. Et voilà, on sait W2 égale W3 plus 1 moins 1. Dans ce cas, W2 égale à W4. Même histoire. Vous avez des fois. Lorsque vous avez un CW, on n'a pas beaucoup de choses à déduire dans ce cas. Tu as compris. Que un CW égale à 0. Comme un vecteur qui contient une séquence de franchissement. Et les pondérations de l'homme doivent le nombre d'occurrences de chaque transition dans cette séquence de franchissement. Supposons que ceci est vérifié. Et donc, je m'en ai. J'aurai l'équation des temps. Ah oui. L'équation des temps, je vous dis. Vous l'avez dit, M prime ou M plus C fois le vecteur de sigma tel que quoi? Tel que quoi? Sigma, il y a des dînes. Mais M, on doit s'en aller M prime. D'accord? Le quinta sera, vada, il est zéro. Où je m'en ai? معناته بعد ان هو ان بريم معناته لا سيكونس واش دارت لنا داتنا هذه سيجما داتنا من ان بريم اللي هو نفسه معناته واش عاد عندنا سي سا على ذلك كيعود عندنا ان تي ان فاريون
واش معنى تكون عندنا فاريون؟ معنى تكون عندنا فيكتور كي نقول له في السين يمد لنا زيرو، واش يعود عندنا؟ يعود عندنا ان يساوي ان بريم، معناته سيتي سيكونت، ديما لي من ان وين تدينا؟ ترجع لنا ان، معناته مادام رجع لنا ان نقدروا نديروها مره اخرى، ولا قوي نديروها مره اخرى، او عاد عندنا ينبوه لنا ان، معناته من ان جو بتيري لا سيكونت سيكما، جو لو فيان ان ان، سام ديبو كو سيكما سيكون سيكونت ريبيتيتيف. Le marquage est fait de même de faire au tarjal. Mais si tu es contre-répétitif, ça veut dire que le modèle il est pseudo-vivant. Le canal s'est construit à la transition canal, et où le modèle il est vivant. D'accord ? Alors, il est qu'il est bien. Alors, il est qu'il est bien. Oui, il est qu'il est bien. Oui, il est qu'il est bien. Chance. C'est de demander à que
Inch'Allah, c'est la transition technique. Place B2, place B3. Il y a ici une décomposition. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que juste après, il y a une décomposition. Et ici, il n'y a pas de problème parce que je ne vais pas avoir un problème d'augmentation du nombre de jetons parce qu'il n'y a pas de duplication. Mais quelle est la duplication du jeton? Parce que je produis deux jetons, ok? Mais pour produire un jeton qui les a produits, j'ai besoin de deux jetons. Ce n'est pas comme la fois passée. L'effet de terre, on va te faire un peu تبتج لي زوج خلايا وكل واحده منهم تكافئ الخليه الاخرى وهذا هو المبدا تاع التكافؤ بينما هنا لا هنا عندنا خليه تنتج لي ما نقدرش نسميهم خلايا زوج مكونات وهذوك زوج مكونات ما يقدرش كل واحد منهم واحد ينتج الخليه لا لازم تبقى زوج باش يعاودوا يخدموا لي الخليه هذه nous avons ici la cellule qui se décompose en deux composantes et pour construire une deuxième cellule bah j'ai besoin des deux composantes ça marche pas avec une seule composante T1 et ici T2. Apparemment ici le modèle il est borné. Il est vivant. Et normalement je dois trouver des P1 variants et je dois trouver des T1 variants. Laisse me donner le gamme directement le modèle. Je ne vais pas faire les équations par les valides, mais je vais directement les extraire à partir des graphes parce que maintenant normalement ils sont un peu familiers avec ça. Donc je vais avoir ici quoi? Un Z1, un Z2. Z3, n'abda les équations de Z, je dois trouver combien d'équations? Chaque fois que je vais une équation, Zouj. Voilà, je vais avoir deux transitions. Chaque transition, je vais avoir un système d'équations. Mettons une équation, pardon. Transition T1, où je peux le faire. Z1, tout seul, où je peux jouer maintenant, Z2, Z3. Ok. Z1, je vais mettre Z2 ou Z3. Transition T2, je peux le faire. Même si la Kaya, je vais trouver les Z2. Z3, واش يمدوا لي Z1 apparemment c'est une seule équation اللي هي Z1 هو Z3 est-ce que كاينه une solution il y a un nombre infini de solutions كاين عدد لا منتهي من الحلول لانه عندك معادله واحده فيها ثلاث متغيرات يكفي انك تحط اي قيم وانت تلقى حل par exemple je peux mettre ici 0 1 1 Je peux mettre 1, 0, 1, et comme ça, je peux avoir un nombre infini de variants. Et ce n'est pas un problème. Le nombre de variants peut être infini. Donc, je vais vous dire un Z, c'est Z, ou le 1, 0, 1. Je vais vous dire un Z, ou le 1, 1, 0. Je vais vous dire un Z, ou le 1. Maintenant, le modèle est conservatif.
هذا يستلزم أن الموديل اللي بورني هذا يستلزم أن البلاس كامل صن بورني. واحد يقول لي وش اللي كا نقدر نحسبه منها نقدر نلقي طريقة مش نحسبه. أوكي ساسيبور لي الاناليز في انباري نروح للاناليز دي في انباري الاناليز لاباز في انباري تي انباري كما قلنا سي لو سي فوا دبليو ايغال un vecteur nul. Voilà, c'est tout simplement il faut lier un W2 avec un W1. Combien d'équations je dois avoir? Je dois avoir trois équations. Chaque place me donne une équation. Comme suit. La place T1, où je vais chercher l'équation et faire maintenant, on va être de W1 égale والحاجة الأخرى هو أنه لا يوجد تروكاج
une séquence répétitive, on fait généralement un blocage. Qui marche la fin de la classe, l'exemple. Ok. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien sûr. Si vous n'avez pas de questions. Ça marche, et j'espère que aujourd'hui M'chat Tassjil, j'espère. Ok, terminé.